Baka, c'est un boxeur, déjà j'aime beaucoup son style parce que c'est pas le genre de boxeur qui va tricher quand il fait un combat, il donne tout voilà, il fait du spectacle. Et moi j'aime bien ce genre de boxeur, donc je pense que ça peut faire un beau combat face à moi. Parce qu'on va tous les deux tout donner et à mon avis ça va être une belle guerre. C'est une personne qui aujourd'hui a, on va dire, a un staff technique qui est là pour observer ses combattants, qui lui aussi jette un coup d'œil. Et je pense que voilà, il va étudier comme il a pu étudier ses adversaires précédemment et comme il va étudier ses futurs adversaires et mon collègue Fabio. Par rapport à la boxe à Fabio, je pense qu'il reste très dangereux en sortie de corps à corps avec ses coudes. Et essentiellement avec les coudes. Après, il tape pas. Il est pas vraiment puissant. C'est vrai que ça va vite, mais je pense que le plus dangereux chez lui, c'est les coudes parce qu'il les sort vite et ça peut couper ou ça peut bien même toucher. Donc je pense qu'il faudra se méfier de ça, oui. Il n'y a rien qui m'impressionne. J'apprécie son style. Donc c'est. Voilà, je ne vais pas mentir, c'est un boxeur que j'ai toujours apprécié. Maintenant, je ne suis pas impressionné par quoi que ce soit. Je vais boxer. Sans complexe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je sais que mes potes, ils seront prêts et qu'ils feront le maximum d'eux-mêmes pour remporter la victoire. Après, voilà, on va dire, on se donne des forces à distance. Voilà, je sais que je me fais pas de soucis pour eux. Et je pense que eux de leur côté, voilà, ils ne se font pas de soucis pour moi. Après, on espère tous ramener tous les victoires. Et comme ça, en rentrant à la salle, dans la semaine, on sera tous avec le sourire aux lèvres. Et voilà, c'est le plus important. Je donne rendez-vous donc à tous les internautes et tous ceux qui ne pourront pas faire le déplacement le 17 mars sur Muay Thai TV pour suivre donc mon combat face à Boakao. Et je vous promets que ce sera un beau combat, quel que soit le résultat. On va tout donner et je pense que ça va être du spectacle.